within the heart has always known that there is freedom. Somehow breathe into the very soul of life, and even life begins because a baby fights for freedom. And songs we love to sing have freedom's theme. Summer heaven begins because a baby fights. And songs that we love to sing have freedom's themes. Some have walked through the fire and flood to find a place for freedom, and some faced hell itself for freedom's dreams. Let freedom ring wherever minds know what it means to be in chains. Let freedom ring wherever hearts know. Where prisons have no key, we can be free and we can sing. Let freedom ring. Freedom into every fiber of creation, and he meant for us to all be free and whole. But when my Lord brought freedom through the blood of his redemption, his cross stamped pardon on my very soul. And now I'll sing it out with every breath. I'll let the whole from a hill called Calvary. Let freedom ring wherever hearts know pain. Let freedom echo through the lonely streets where prisons they have no key. We can sing, let freedom ring. We can be free and we can sing. Let freedom ring. Let freedom ring.
Wonderful, 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 wonderful. Thank you so much, Charles. There is only one freedom. Il n'y a qu'une liberté. And that's the freedom in Jesus. C'est la liberté qu'apporte Jésus-Christ. Jesus is the true liberator. Jésus est le véritable libérateur. He can liberate our spirits inside. Il peut libérer nos âmes de l'intérieur. In tonight's meeting in the book of Revelation. Et ce soir dans notre rencontre sur l'Apocalypse. Is how Jesus Christ can liberate you. Nous allons parler de Jésus-Christ et de la manière dont il peut nous libérer. Let's pray together. Prions ensemble. Father in heaven. Père céleste. We come to Jesus. Nous venons à Jésus. The one who can truly make us free. Celui qui peut véritablement nous libérer. Oh Father, come tonight. Ô Père, viens ce soir. Free our spirits. Libère notre esprit. Free our minds. Libère notre pensée. May the living Christ enter into us tonight. Que le Christ vivant pénètre en nous ce soir. And change us. Et nous change de l'intérieur. In Christ's name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. My topic tonight in this Revelation of Hope series is Revelation's secret of a whole new life. Mon sujet de ce soir, l'Apocalypse révèle le secret d'une vie nouvelle. Come with me tonight back 2000 years. Venez avec moi à 2000 ans de cela. Come to the island of Patmos. Venez avec moi sur l'île de Patmos. There set as a jewel in the Aegean Sea. Ici posé comme un joyau dans la mer Égée. The sun is setting over the Aegean. Le soleil est en train de se coucher sur la mer Égée. And there we see an old, old man. Et là nous voyons un vieillard, un très vieil homme. He is brought there at the end of his life by Roman soldiers and guards. Il a été amené là à la fin de sa vie par des soldats romains et par des gardes. His hands are trembling now. Ses mains sont en train de trembler maintenant. He's bent over with the hunched back of old age. Il est penché en avant à cause de ces années qui pèsent. His hair is white now. Ses cheveux ont blanchi. His vision is dim now. Sa vision s'est atténuée. He's now almost 90 years old. Il a pratiquement 90 ans. His name is John. Son nom est Jean. And there on that island called Patmos. Et là sur cette île du nom de Patmos, Jesus sent an angel to the old man. Jésus a envoyé un ange vers ce vieillard. And he revealed what would take place in the latter days of Earth's history. Et il lui a révélé ce qui allait se passer dans l'histoire à la fin des temps. And that old aged apostle John wrote those visions down. Et l'apôtre Jean a écrit ces visions. And they come to us in a book called the Revelation. Et ils nous sont parvenus dans un livre du nom de l'Apocalypse. This John was passionate for Christ. Ce Jean était passionné de Jésus-Christ. Although he was exiled on the island of Patmos. Bien qu'il ait été exilé sur l'île de Patmos. Although he was chained by Roman soldiers. Bien qu'il était enchaîné par les soldats romains. The old man's spirits were free. L'esprit de ce vieillard était toujours libre. His heart was free. Son cœur était libre. His mind was free. Sa pensée était libre. And John wrote there on that island. Et Jean a écrit là. He penned these words. Il a prononcé ces paroles. Revelation 1 verse 9. Apocalypse 1 verset 9. I, John, both your brother and companion in tribulation and the kingdom and patience of Jesus Christ. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. The old man writes. Ce vieillard écrit. I am your companion in tribulation. Je suis votre compagnon de tribulation. Are you going through troubles? Est-ce que vous passez par des problèmes? Going through difficulties in your life? Vous passez par des difficultés dans la vie? Going through sorrow or heartache? Vous passez par la souffrance et votre cœur est brisé? John says, Jean dit, I know what trouble is like. Je sais ce qu'est le problème. I know what sorrow is like. Je sais ce qu'est la tristesse.
I am your companion in tribulation. Je suis votre compagnon de tribulation. Then he says, puis il ajoute, I was on the island that is called Patmos for the word of God and the testimony of Jesus Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. John says it was because of Jesus I suffered. Jean dit, c'est à cause de Jésus que je souffre. I was exiled to the island of Patmos because of Jesus. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de Jésus. I was a prisoner for Jesus' sake. J'ai été un prisonnier pour Jésus. And there are men and women today. Et il y a des hommes et des femmes aujourd'hui. They too suffer because of Jesus. Eux aussi souffrent à cause de Jésus. There are wives that step out for Jesus. Il y a des personnes qui sont allées vers Jésus, qui ont dû quitter la maison pour and their Jésus. Husbands oppress them. Des femmes qui ont dû abandonner leur mari parce que leur mari les persécutait. There are young people that step out for Jesus. Il y a des jeunes gens qui sont sortis de chez eux pour Jésus. And when they do, they're ridiculed by their college-age friends. Et ils sont rejetés par leurs amis de collège. We today too suffer for Jesus. Nous aussi également aujourd'hui nous souffrons pour Jésus. But for everybody that steps out for Jesus. Mais pour chaque personne qui fait le pas en faveur de Jésus. For everybody that makes a decision to follow Jesus. Pour chaque personne qui prend la décision de suivre Jésus. Jesus comes to give them strength and encouragement Jésus. Like he did to the old man on the island of Patmos. Jésus descend pour les encourager comme il l'a fait pour ce vieillard sur l'île de Patmos. Why was it that John was willing to suffer and die for Jesus? Pourquoi est-ce que Jean était disposé à souffrir et mourir pour Jésus? Why was it that John was willing to give his life for Jesus? Pourquoi est-ce que Jean était disposé à donner sa vie pour Jésus? John believed that Jesus was more than a good man. Jean croyait que Jésus était plus qu'un homme gentil. John believed that Jesus was more than a moral teacher. Jean croyait que Jésus était plus qu'un professeur de morale. John believed that Jesus was more than an ethical philosopher. Jean croyait que Jésus était plus qu'un philosophe. Jesus said in Revelation 1 verse 11 to John. Jésus dit dans Apocalypse 1 verset 11. I am Alpha and the Omega. Je suis l'alpha et l'oméga. He went on to say. Il continue en disant. Verse 17. Verset 17. Revelation 1. Du chapitre premier. Do not be afraid, I am the first and the last. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Jesus was saying to John and to you and me. Jésus dit à Jean, I am eternal. I am eternal. Crois en moi car je suis éternel. I am divine. Je suis divin. The Roman soldiers may take your life. Les soldats romains peuvent t'enlever la vie. They may destroy your body. Ils peuvent détruire ton corps. But I will give you eternal life. Mais je te donnerai la vie éternelle. Do not fear what the Romans can do to you, John. N'aie pas peur de ce que les hommes peuvent te faire. I am the divine son of God. Je suis le divin fils de Dieu. And I can give you eternal life. Et je te donnerai la vie éternelle. Jesus encouraged John with these words. Encourage Jean dans ses paroles. Revelation 1 verse 18. Apocalypse 1 verset 18. Jesus said. Jésus dit. I am he who lives and was dead. J'étais mort et voici je suis vivant. And behold I am alive forevermore. Et je suis vivant au siècle des siècles. Jesus said I am alive forevermore. Jésus dit je suis vivant au siècle des siècles. The political leaders of this world rise and fall and die. Les politiciens de ce monde s'élèvent ensuite retombent et meurent. This world's philosophers rise and fall and die. Les philosophes de ce monde connaissent la gloire et ensuite disparaissent. Religious leaders and teachers rise and fall and die. Les chefs religieux et les théologiens connaissent également l'apothéose et ensuite disparaissent. But Jesus is alive forevermore. Mais Jésus est vivant pour toujours. And he says in Revelation 1:18. Et il dit dans Apocalypse 1 verset 18. I have the keys of hell and death. Je tiens les clés de la mort. John, do not worry. Ne te fais pas de all soucis. The powers of hell cannot oppress you. Toutes les puissances de l'enfer ne peuvent te tenir captif. The grave cannot hold you. La tombe ne peut te retenir. I have the keys to the grave. J'ai les clés you qui may permettent die. De la mort.
You may die. Tu peux mourir. But I have the key. Mais j'ai la clé. I will unlock the grave. Je pourrai ouvrir ton tombeau. Many years ago. Il y a des années de cela. During the days of communism. À l'époque du communisme. A leading communist philosopher. Un philosophe communiste éminent. Gathered a great crowd in St. Petersburg. A rassemblé une grande foule à Saint-Pétersbourg. He lectured for 2 hours. Il a fait une présentation de 2 heures. On why Jesus was a human being and not divine. Montrant que Jésus était un homme et qu'il n'était pas divin. At the end of the lecture for 2 hours. À la fin de cette conférence de 2 heures. He said, "Does anybody have anything to say?" Il a demandé, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? An old man stood up. Un vieillard s'est levé. His hands were shaking. Ses mains tremblaient. He held his cane. Il avait son bâton. He was all hunched over. Il était penché dessus. He walked to the platform. Et il est venu vers la plateforme. The philosopher. Le philosophe. With 3 PhDs after his name. Avec 3 doctorats derrière son nom. Looked at the old man. A regardé ce vieillard. And he said to him. Et il lui a dit. Old man. Vieillard. You are uneducated. Tu n'as pas d'éducation. You can hardly read. C'est à peine si tu sais lire. You're an ignorant peasant. Tu es un pauvre paysan. Do you have anything to say? Est-ce que tu as quelque chose à dire? The old man took the microphone. Le vieillard a pris le microphone. He said. Et il a dit. Just one thing. Une seule chose. Christ is risen. Christ est ressuscité. Christ is risen. Christ est ressuscité. Christ is risen. Christ est ressuscité. The communist audience, le public communiste, began to chant back. A commencé à se sentir mal. Christ is risen indeed. Et ils ont commencé à répondre, Christ est ressuscité. Christ is risen indeed. Christ est ressuscité. And the philosopher. Et le philosophe, embarrassed, walked off the stage. Embarrassé, a quitté l'estrade. I told that story. J'ai raconté cette histoire in the Kremlin, au Kremlin to 6,500 people. À 6,500 personnes. And a communist philosopher was in the audience. Et il y avait un philosophe communiste dans la salle. And this man jumped up. Et cet homme s'est mis debout. And he said, "We don't want to hear this." Et il a dit, nous ne voulons pas entendre cela. We don't want to hear this. Nous ne voulons pas entendre cela. And he was yelling at me. Et il me regardait. And the whole audience. Et l'ensemble de l'audience. Began to shout. A commencé à crier. Carry him out. Carry sortez him le, out. Sortez-le. Carry him out. Sortez-le. And 4 ushers came. Et 4 huissiers sont arrivés. And carried him out. Et l'ont sorti de la salle. Because Jesus is divine. Parce que Jésus est divin. Down through the ages. À travers les âges. This divine Christ. Ce Christ divin. Has encouraged men and women. A encouragé les hommes et les femmes. If Jesus was resurrected from the dead, he is more than human, he is divine. Si Jésus est ressuscité des morts, il est plus qu'humain, il est divin. If Jesus was resurrected from the dead, he has power over death. Si Jésus est ressuscité des morts, il a le pouvoir sur la mort. And he can give us hope when we face death. Et il nous donne l'espérance lorsque nous faisons face à la mort. If Jesus is really divine, his offer of eternal life is real. Si Jésus est vraiment divin, son offre de la vie éternelle est réelle. If Jesus is just a good man, he can't offer you eternal life because he doesn't have it. Si Jésus est simplement un homme sympathique, il ne peut vous donner la vie éternelle car il ne la posséderait pas. And if Jesus is really divine, he can change our lives. Et si Jésus est vraiment divin, il peut changer votre vie. Christianity is not a philosophy. Le christianisme n'est pas une philosophie. It's not simply a belief system. Ce n'est pas simplement un système de pensée. To become a Christian doesn't mean you simply believe something in your head. Devenir chrétien ne signifie pas seulement que vous croyez quelque chose avec votre intelligence. It means you open your heart to the living Christ. Cela signifie que vous ouvrez votre cœur au Christ vivant. The living Christ comes inside of you. Le Christ vivant vient en vous. The living Christ forgives your sins. Le Christ vivant efface vos péchés. The living Christ takes away the guilt. Le Christ vivant enlève la culpabilité. The living
Christ takes away the condemnation. Le Christ vivant enlève votre condamnation. The living Christ gives you new power. Le Christ vivant vous donne une puissance nouvelle. The living Christ sets you free. Le Christ vivant vous rend libre. The resurrection power can transform us. La puissance de la résurrection peut nous transformer. But I have a question. Mais j'ai une question. Why is it that John believed Jesus was divine? Pourquoi est-ce que Jean croyait que Jésus était divin? What evidence did John have that Jesus was more than a good man? Quelle preuve avait-il que Jésus était plus qu'un homme sympathique? It was more than a warm feeling in his heart. C'était plus qu'un sentiment très fort dans son cœur. It was more than electrical impulse that went up his spine. C'était plus qu'un frisson qui courait le long de sa colonne vertébrale. John based his faith on solid evidence. Jean a fondé sa foi sur des preuves solides. John was willing to die rather than give up his belief in this divine Christ. Jean était prêt à mourir au lieu d'abandonner sa foi dans le Christ divin. Down through the ages, à travers les âges, men and women shackled in prisons have not given up their faith. Des hommes et des femmes enfermés dans des prisons n'ont pas abandonné leur foi. They believed Jesus offered a eternal life was real. Il croyait que l'offre de Jésus de la vie éternelle était vraie. In the ancient of Rome, à l'époque de Rome, believers were thrown to the lions. Des croyants ont été jetés aux lions. They believed Christ's offer of eternal life was real. Ils croyaient que l'offre de la vie éternelle faite par Jésus était vraie. That although they died, they would have eternal life. Et que même s'ils mouraient, ils auraient la vie éternelle. In communist prisons around the world, dans des prisons communistes tout autour de la terre, men and women haven't given up their faith. Des hommes et des femmes n'ont pas abandonné leur foi. Because they believe that Christ is more than a good man. Parce qu'ils croyaient que Christ est plus qu'un homme sympathique. More than an ethical philosopher. Mieux qu'un philosophe d'éthique. More than a religious teacher. Mieux qu'un professeur de morale. They believed Jesus was divine. Ils croyaient que Jésus était divin. And that this divine Christ could free them from the shackles that bound them. Et ils étaient persuadés que ce Christ divin pouvait les libérer de leurs liens. What evidence do we have that that's true? Quelle preuve avons-nous que cela est vrai? What evidence can we base our faith on today? Sur quelle preuve pouvons-nous appuyer notre foi? Is Christianity just based on emotion? Est-ce que le christianisme est fondé uniquement sur des émotions? Is the evidence for Christ being divine weak? Est-ce que la preuve que Christ est divin est une preuve sans valeur? Is it shallow? Est-ce que c'est creux? Superficial? Est-ce que c'est superficiel? All the books of the Bible meet and end in the book of Revelation. Tous les livres de la Bible se rejoignent et s'achèvent dans l'Apocalypse. So to understand why John believed that Jesus was divine, we must take a journey through the Bible. Aussi, pour comprendre pourquoi Jean croyait que Jésus était divin, nous devons faire tout un voyage dans la Bible. To understand why these New Testament Christians in John's day would not give up their faith. Pour comprendre pourquoi ces chrétiens à l'époque de Jean n'allaient pas abandonner leur foi, we must study the evidence they studied. Nous devons étudier les preuves qu'ils ont étudiées. Jesus made some remarkable statements to these disciples. Jésus a fait quelques déclarations extraordinaires à ses disciples. Jesus said this to his disciples. Jésus a dit ceci à ses disciples. John 6, verse 38. Jean 6, verset 38. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jesus said that he came down from heaven. Jésus dit qu'il est descendu du ciel. Jesus claimed he was divine. Jésus a prétendu qu'il était divin. He said, I am the I am. Il a dit, je suis celui qui suis. Jesus claimed that he existed from the Father from eternity. Jésus a affirmé qu'il vivait comme le Père de toute l'éternité. Why did the disciples believe that? Pourquoi est-ce que les disciples l'ont cru?
What evidence did they have that that was true? Quelle preuve avaient-ils que c'était vrai? Jesus claimed he was more than a good man. Jésus a affirmé qu'il était plus qu'un homme bon. If you accept Jesus only as a good man, si vous acceptez Jésus simplement comme un homme agréable, if you say, oh yes, I read the Bible and Jesus is a wonderful teacher, ou si vous lisez la Bible en disant, oui, je lis la Bible et je vois que Jésus est un excellent pédagogue, but if you say, I don't accept Jesus as divine, et que vous dites, mais je n'accepte pas la divinité de Jésus, if Jesus is not divine, si Jésus n'est pas divin, if he is not the Son of God, s'il n'est pas le Fils de Dieu, then he is not a good man. Alors il n'est pas un homme bon. Because good people don't lie. Parce que les bonnes gens ne mentent pas. And Jesus said he was the Son of God. Et Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. So you cannot accept Jesus as a good man without accepting him as the Son of God and be intellectually honest. Aussi, vous ne pouvez accepter Jésus simplement comme un homme bon sans l'accepter qu'il soit aussi divin. Because he said he was divine. Parce qu'il a dit qu'il était divin. So what is the evidence that he's divine? Quelles sont les preuves de sa divinité? Jesus said in John 5, verse 39, Jean 5, verset 39, Jésus dit, these are the scriptures that testify about me. Ce sont les écritures qui rendent témoignage de moi. He was speaking about the Old Testament. Il parlait de l'Ancien Testament. The Old Testament revealed Jesus' biography in advance. L'Ancien Testament a révélé la biographie de Jésus en détail. Let's study the evidence that the disciples studied. Étudions ensemble les preuves que les disciples ont étudiées. Let's understand what gave them such a strong faith. Essayons de comprendre ce qui leur a donné une foi aussi puissante. Let's see why they had such death-defying faith. Pourquoi avaient-ils une foi qui pouvait défier la mort. And if we studied what they studied, their faith will become ours. Et si nous étudions ce qu'ils ont étudié, leur foi sera nôtre. If we want a strong faith to face the crisis of the mark of the beast ahead, we must study what these disciples studied. Si nous voulons avoir une foi suffisamment solide pour pouvoir résister à la marque de la bête, il est important que nous étudions ce que les disciples ont étudié comme preuve. In the first century, au premier siècle, Christians were persecuted. Les chrétiens étaient persécutés. In the last days, dans les temps de la fin, Christians will be persecuted. Les chrétiens seront également persécutés. They believed ils croient that Christ was the divine Son of God. Que Christ était le Fils de Dieu. This Christ changed their lives. Ce Christ a changé leur vie. He can change ours too. Et il peut changer la nôtre également. Let's look at this biography written beforehand. Voyons sa vie qui a été écrite longtemps d'avance. Let's look at what gave them such strong faith. Regardez ce qui leur a donné une foi si grande. The life of Jesus was written in advance. La vie de Jésus a été écrite d'avance. Before he was born, the prophets predicted. Avant qu'il ne soit né, les prophètes ont prophétisé. The place of his birth. Le lieu de sa naissance. The manner of his birth. La manière dont il naîtrait. His betrayal. Sa trahison. The manner of his death. La façon dont il allait mourir. Let's begin at the beginning. Commençons par le commencement. 700 years before he was born. 700 ans avant sa naissance. The Bible says in Micah 5, verse 2. La Bible dit dans Michée, chapitre 5, et le verset 2. Bethlehem, out of you shall come forth to me to be the one who is ruler in Israel. Bethlehem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. The Bible predicted 700 years in advance. La Bible a prédit 7 siècles avant. Of all the hundreds of cities in Israel, parmi les centaines de villes d'Israël, and of the hundreds of cities in Palestine, et parmi les centaines de villes de la Palestine, Jesus would be born in Bethlehem. Que Jésus naîtrait à Bethléem. Now every school child knows that Jesus' hometown was Nazareth. Alors tout étudiant de la Bible sait que la ville natale de Jésus était Nazareth. Nazareth is 150 kilometers north of Bethlehem. Nazareth est à 150 kilomètres au nord de Bethléem. Now let's suppose that Mary is 6 months pregnant. Imaginons Marie enceinte de 6 mois. And Pastor Elise and I are talking. Et Pasteur
Finlay et moi sommes en train de parler. And I say to him, et je lui dis, where will the baby be born? Où est-ce que le bébé va naître? And he says to me, et il me répond, in Nazareth. À Nazareth. Mary is 6 months pregnant. Marie est enceinte de 6 mois. Now she's 7 months pregnant. Maintenant, elle a 7 mois. Now she's 8 months pregnant. 8 mois. Do women 9 months pregnant? Est-ce que les femmes qui sont enceintes de 9 mois go on a donkey ride for 150 kilometers? Montent sur un âne et font un voyage de 150 kilomètres? Is that what they do in Montreal? Est-ce que vous faites ça à Montréal? Women 9 months pregnant? Des femmes qui sont enceintes de 9 mois go on a donkey ride sur une bourrique? When Mary was 9 months pregnant. Lorsque Marie avait été enceinte de 9 she mois, left Nazareth. Elle a quitté Nazareth. She traveled 150 miles. Elle a fait 150 kilomètres. 150 kilometers to Bethlehem. Vers Bethléem. And Jesus was born. Et Jésus est né. Not in Bethlehem. Non à Bethléem. Rather not non, in non Nazareth, Nazareth. Not in Jerusalem. Non à Jérusalem. But precisely in Bethlehem. Mais précisément à Bethléem. The night Mary arrived. La nuit même où Marie est arrivée à Bethléem. This is an absolute miracle. C'est un miracle absolu. A decree of Caesar Augustus. C'est un décret de César Auguste. Brought the Holy Family there. A conduit la Sainte Famille là. Prophesied 700 years ahead of time. 7 siècles auparavant, cela avait été prophétisé. But the Bible goes on. Mais la Bible continue. It describes. Il décrit. This Jesus. Ce Jésus. More than a good man. Plus qu'un homme simplement bon. More than an ordinary child. Plus qu'un enfant comme les autres. Jesus, the divine Son of God. Jésus. Le divin Fils de Dieu. Isaiah 7, verse 14. Ésaïe 7, verset 14. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. And shall call his name Emmanuel. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. A virgin would conceive. Une vierge va devenir enceinte. When Joseph learned Mary was pregnant, lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, he wanted to quietly put her away. Il voulait discrètement se séparer d'elle. Quietly end the relationship. Terminer leur relation de manière discrète. But an angel appeared to Joseph. Mais un ange est apparu à Joseph. And according to the Bible, et selon la Bible, that angel said, cet ange a dit, Joseph, Joseph, Mary is with child of the Holy Spirit. L'enfant que porte Marie vient du Saint-Esprit. In Jesus' day, he was ridiculed for not having a human father. À l'époque de Jésus, c'était honteux de ne pas avoir un père à la naissance. That's one of the greatest evidences that he's divine. C'était l'une des preuves les plus importantes de sa divinité. Jesus was born in Bethlehem. Jésus est né à Bethléem. Jesus was born of a virgin. Jésus est né d'une vierge. Exactly like the Bible predicted. Exactement comme la Bible l'a dit. The angel said, l'ange lui dit, to Mary, à Marie, Luke 1, verse 30. Luc 1, verset 30. You will be with child. Tu deviendras enceinte. You'll give birth to a son. Tu enfanteras un fils. And you will give him the name Jesus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. He is more than a good man. Il est plus qu'un bon homme. He is more than an ethical philosopher. Il est plus qu'un philosophe. He is more than a religious teacher. Il est plus qu'un théologien. He is Jesus. Il est Jésus. An angel announced his birth. Un ange a annoncé sa naissance. And when shepherds were keeping their watch by night in the fields, et lorsque les bergers gardaient leurs troupeaux la nuit, angels sang. Les anges ont dit, glory to God in the highest. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. It was God that tabernacled in human flesh. C'était Dieu venu en chair. It was the divine Son of God that was conceived by the Holy Spirit in the womb of Mary. C'était le divin Fils de Dieu conçu par le Saint-Esprit qui était dans le sein de Marie. This was not natural, it was supernatural. Ce n'était pas naturel, c'était surnaturel. It was the divine Son of God that was cradled in Mary's arms. C'était le divin Fils de Dieu qui était bercé dans les bras de Marie. Now the Bible goes on. La Bible continue. Numbers 24, verse 17. Nombre 24, verset 17. Written almost 2,000 years before Christ. Écrit presque 2,000 ans avant Jésus-Christ. The Bible says, la Bible dit, a star would come out of Jacob.
un astre sort de Jacob. In other words, a star guiding the wise men to the place of Christ's birth. En d'autres mots, une étoile qui a mages vers le lieu de naissance de Jésus. Wise men came from the east. Ces mages sont venus de l'est. They were guided by a star. Ils ont été conduits par une étoile. Centuries in advance. Des siècles à l'avance. The Bible predicted that would happen. La Bible avait prédit que cela allait se produire. The Bible is no common book. La Bible n'est pas un livre commun. And Jesus is no common man. Et Jésus n'est pas un homme commun non plus. The wise men were guided by a star. Les mages ont été conduits par l'étoile. Predicted in the Bible. Prédit par la Bible. Jesus walked the streets of Galilee. Jésus est allé en Galilée. The Bible actually predicts his ministry. La Bible a prédit son ministère là. By Isaiah in Isaiah chapter 61. Chapitre 61, verse 1 and 2. Versets 1 et 2. This was the work the Messiah was to do. Voilà l'œuvre que le Messie allait réaliser. Predicted by the prophet Isaiah, prédit par le prophète Isaïe, 700 years in advance. 7 siècles à l'avance. The Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. He has sent me to heal the brokenhearted. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Anybody brokenhearted here tonight? Y a-t-il quelqu'un au cœur brisé ici ce soir? There is healing in Jesus. Il y a la guérison en Jésus. Anybody poor in spirit here tonight? Y a-t-il quelqu'un qui est pauvre en esprit ce soir? There is good news in Jesus. Il y a la bonne nouvelle en Jésus. He came. Jésus est venu to preach good tidings. Pour annoncer la bonne nouvelle. To heal the brokenhearted. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To proclaim liberty to the captives. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Let freedom ring here tonight. Que la liberté règne ici ce soir. Jesus is proclaiming liberty to the captives. Jésus a proclamé la liberté aux captifs. Captive by guilt. Captif de la culpabilité. Captive by the condemnation of your past life. Captif de la condamnation de votre vie passée. Captive by alcohol. Captif de l'alcool. Captive by drugs. Captif des drogues. Captive to pornography. Captif de la pornographie. Captive to criticism. Captif de la critique. Captive to an evil temper. Captif d'un caractère impétueux. Captive to a bitter spirit. Captif d'un esprit amer. The Messiah would come. Le Messie allait venir. He would proclaim liberty to the captives. Il proclamerait la liberté aux captifs. Opening of the prison to those that are bound. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Men and women in prisons of darkness. Des hommes et des femmes enfermés dans l'obscurité de l'obscurantisme. Prisons of discouragement. La prison du découragement. Prisons of disappointment. La prison de la déception. Prisons of sorrow. La prison de la tristesse. Jesus wants to open the prison for you. Jésus désire ouvrir la prison pour vous. He has come to open prison doors. Il est venu pour ouvrir les portes de la prison. He has come to comfort those that mourn. Il est venu pour consoler tous les affligés. He is the wonderful comforter. Il est celui qui console véritablement. This is Jesus. C'est Jésus. Jesus walks through the streets of Galilee. Jésus a marché dans les rues de Galilée. He healed the sick. Il a guéri les malades. He touched the eyes of the blind. Il a touché les yeux des aveugles. They were opened. Et leurs yeux se sont ouverts. He touched the ears of the deaf. Il a touché l'oreille des sourds. They were unstopped. Et ils ont entendu. He wrote forgiveness on the sand and the adulteress went free. Il a apporté le pardon et la femme adultère est partie libre. And after he had healed the sick. Et après avoir guéri les malades. And forgiven sins. Et pardonné les péchés. And walked through the streets of Galilee and Jerusalem and raised the dead. Et marché dans les rues de la Galilée puis de Jérusalem vers la mort. The crowds gathered. Les foules se sont réunies. They common people knew who he was. Et les gens savaient qui il était. They sang Hosanna. Et ils ont dit Hosanna. 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 Hosanna to the King.
au roi. He came riding on a donkey into Jerusalem. Et il est entré monté sur un ânon. Those whose sins were forgiven met him. Ceux dont les péchés avaient été pardonnés par lui. Those whose children were healed met him. Ceux dont il avait guéri les enfants. They brought him their sick. Ils ont apporté leurs malades. They brought him their suffering. Ils ont apporté ceux qui souffraient. And they saw them raised to life again. Et ils les ont vus ressusciter à la vie nouvelle. He is more than a good man. Il est plus qu'un homme gentil. He is more than an ethical philosopher. Il est plus qu'un philosophe. He is more than some religious teacher. Il est plus qu'un professeur de morale. He is the divine son of God. Il est le divin fils de Dieu. You can stake your life on that. Vous pouvez parier votre vie dessus. And if you are suffering with the fever, et si vous êtes en train de souffrir, and if you close your eyes in death, et si vous fermez vos yeux par la mort, if cancer spreads through your body, si le cancer est en train de se propager dans votre one corps, one day Jesus Christ will take your hand. Un jour le Christ va prendre vos mains. One day the eyes you look into will be the eyes of Christ. Un jour les yeux que vous verrez en face de vous seront ceux de Jésus-Christ. One day the face you look into will be the face of Christ. Un jour le visage que vous verrez sera celui de Jésus-Christ. One day the voice you hear will be the voice of Christ. Un jour la voix que vous entendrez sera la voix de Jésus. One day the hand that holds you will be the hand of Jesus. Un jour la main qui tiendra la vôtre sera celle de Jésus. One day you will be healed. Un jour vous serez guéri. You either will be healed here by Jesus. Vous serez guéri ici par Jésus. Or you'll be healed when he resurrects you from the dead. Ou bien vous serez guéri par la résurrection de la mort. And if Jesus allows you to sleep before he comes, et si Jésus vous permet de vous endormir avant qu'il ne revienne, he just doesn't want you to be tempted by some great temptation that you might fall on later and be lost. Il ne voudrait pas que vous soyez enfermé dans une tentation de croire que vous êtes perdu à jamais. So in mercy, et dans sa grâce et son amour, he allows the sickness that Satan put upon you, il permet que la maladie que Satan a mis sur vous, to allow you to go to sleep in Jesus, vous permette de vous endormir en Jésus-Christ. But everybody's going to be healed someday. Mais chacun d'entre nous sera guéri un jour. He'll either heal you now, si il peut nous guérir maintenant, or he'll let you sleep, où il peut nous permettre de nous endormir and dans la mort heal you in resurrection morning. Et nous guérir le jour de la résurrection. Because he is the living Christ. Car il est le Christ vivant. He came out of the tomb. Il est sorti de la tombe. Death could not hold him. La mort n'a pas pu le retenir. He raised the dead then. Il a ressuscité les morts. Now Jesus did not raise everybody who died from the Jésus dead. Jésus n'a pas ressuscité tous ceux qui sont morts. If he raised everybody who died from the dead back then, it would be heaven and not earth. Si Jésus avait ressuscité tout le monde à cette époque, ce serait le ciel et non plus la terre. He raised a few people. Il a ressuscité un petit nombre de personnes. To show the whole world that he has the power to raise everybody at his coming. Pour montrer au monde entier qu'il a la puissance de ressusciter tous les hommes. He raised some. Il a ressuscité quelques-uns. To show that he could do it for all. Pour montrer qu'il pouvait le faire pour tous. And today, et aujourd'hui, he still works some miracles. Il continue de faire un certain he nombre still de miracles. Heals some people of cancer. Il continue de guérir des personnes du cancer. He still heals some people who have crippled legs. Il continue de guérir des personnes dont les jambes sont paralysées. He still heals some people of blindness. Il continue de guérir des aveugles. He still heals some people of deafness. Il continue de guérir ceux qui sont sourds. He does it for two reasons. Et il le fait pour deux raisons. One is because he loves incredibly all humanity. La première, c'est parce qu'il aime l'humanité d'une manière incroyable. But he heals some today. Mais il guérit également certains aujourd'hui. To show the whole world. Pour montrer au monde entier. That he has the power to heal everybody. Qu'il a la puissance de guérir tout le monde. And he will do it one day when he comes again. Et qu'il le fera le jour où il reviendra à nouveau. What he has done for some now. Ce qu'il a fait pour quelques-uns aujourd'hui. He will do for all then. Il le fera pour tous les hommes. The Bible teaches. La Bible nous enseigne. That these great prophecies. Que ces grandes prophéties. Came to fulfillment. Sont arrivées à leur accomplissement. At the end of Jesus' life.
à la fin de la vie de Jésus. The pieces fit together like a puzzle. Toutes les pièces du casse-tête se sont mises en place. Here are some of the incredible prophecies that were fulfilled when Jesus was crucified. Voici quelques-unes des prophéties incroyables qui se sont réalisées lorsque Jésus a été crucifié. They were fulfilled in the last week of his life. Elles se sont accomplies pendant la dernière semaine de sa vie. At the Last Supper. Au dernier repas, Jesus said, Jésus a dit, "It will not be an enemy that betrays me, but a friend." Ce ne sera pas un ennemi qui me trahira, mais je serai trahi par un ami. That prediction came in the book of Psalms, in Psalm 41, verse 9. Cette prédiction se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 41, verset 9. 1,000 years in advance. 1,000 années avant. David the psalmist. David le psalmiste. Said this. A dit ceci. Jesus would say. Jésus allait dire. Even my close friend. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Whom I trusted. Qui avait ma confiance. Who shared my bread has lifted up his heel against me. Et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi. Judas, one of the disciples. Judas, l'un des disciples. Who shared the bread of the last supper. Qui a partagé le pain du dernier souper. Betrayed Christ. A trahi Jésus. How did the Bible know that 1,000 years in advance? Comment est-ce que la Bible pouvait savoir cela 1,000 ans à l'avance? Because the Bible is not a common book. Parce que la Bible n'est pas un livre commun. Jesus is not merely a good man. Jésus n'est pas simplement un homme bon. God gave us this exact evidence so that thinking minds would be able to see the evidence and believe. Dieu nous a donné cette preuve exacte afin que les esprits incrédules puissent le découvrir et l'accepter. Look at this prophecy. Regardez cette prophétie. Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Here's a prophecy in the book of Zechariah. Voici une prophétie dans le livre de Zacharie. About the exact price Jesus was betrayed for. Concernant le prix exact pour lequel Jésus serait trahi. The Bible is plain. La Bible est claire. It says in Zechariah 11 verse 30. Dans Zacharie chapitre 11 verset 12. So they weighed out for my wages. Et ils pesèrent pour mon salaire. 30 pieces of silver. 30 sicles d'argent. Not 20. Pas 20. Not 40. Pas 40, exactly 30. Exactement 30. How did the prophet Zechariah? Comment est-ce que le prophète Zacharie? Know it would be 30 pieces of silver. Savait que ce serait 30 pièces d'argent. Over 600 years in advance. 600 ans à l'avance. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. How many of you remember the price of a car 20 years ago? Combien d'entre vous vous rappelez le prix d'une voiture il y a 20 ans de cela? Do cars 20 years ago cost the same as a car today? Est-ce que une voiture 20 ans de cela coûtait le même prix qu'aujourd'hui? Not at all. Absolument pas. Prices have gone down, haven't they? Les prix sont descendus. Cars are cheaper in Canada today than they were 20 years ago. Aujourd'hui, les voitures sont moins chères. No, they're higher, aren't they? Les prix ont monté, ont augmenté. Here's my question. Et ma question? 30 pieces of silver. 30 pièces d'argent. Was the price of a slave? Était le prix d'un esclave? In the first century. Au premier siècle. In the days of Jesus. Au temps de Jésus. Not the price of a slave. Pas le prix d'un esclave. 600 years before. 600 ans auparavant. In the days of Zechariah. À l'époque de Zacharie. But Zechariah said, mais Zacharie a dit, Jesus would be sold, Jésus sera vendu, for 30 pieces of silver, pour 30 pièces d'argent. It's exactly what Jesus was sold et for. Et c'est exactement le prix pour lequel Jésus the est vendu. The prophecy goes on. Et la prophétie continue. So I took the 30 pieces of silver, et j'ai pris les 30 sicles d'argent, and threw them into the house of the Lord, je les jetai dans la maison de l'Éternel, for the potter, pour le potier. After Judas sold out Jesus, après que Judas ait vendu Jésus, he came back into the temple. Il est revenu au temple. The prophecy predicted the amount. La prophétie avait précisé le montant. 30 pieces of silver. 30 pièces d'argent. It predicted the result. Il a prophétisé le résultat. The prophecy said that Judas would come and he would come into the temple of the Lord. Le prophète avait dit que Judas viendrait pour jeter ses pièces dans le temple de l'Éternel. Did.
Et il le fit. And it says that they would buy a potter's field with the money. Et il est dit qu'ils achèteraient le champ du potier avec cet argent. That exactly happened. C'est exactement ce qui s'est Judas produit. Judas sold out Jesus. Judas a vendu Jésus. He cried out in agony. Il a crié. I've sinned, I betrayed innocent blood. J'ai péché car j'ai donné le sang innocent. He ran into the temple. Il est rentré dans le temple. He threw the money before the priests. Il a jeté l'argent devant les prêtres. It was blood money. C'était l'argent du sang. They didn't want to cling to it. Ils ne voulaient pas s'attacher à cet argent. So they used it to buy a potter's field. Aussi, ils l'ont utilisé pour acheter le champ du potier. To bury the dead. Afin d'enterrer les morts. Notice how Matthew chapter 27 verse 5, regardez de quelle manière Matthieu 27 verset 5 tells the exact fulfillment of Zechariah's prophecy. Donne l'accomplissement exact de la prophétie de Zacharie. Then he threw down the piece of silver in the temple and departed. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. And the Bible says, et qu'est-il dit? And they consulted together and ensuite ils ont délibéré. They bought the potter's field to bury strangers in. Ils achetèrent avec cet argent le champ du potier. How did the Bible know? Comment est-ce que la Bible Jesus pouvait savoir born in Bethlehem. Que Jésus serait né à Bethléem? Born of a virgin. Qu'il serait né d'une a vierge. A star would guide the wise men. Qu'une étoile guiderait les mages. He would heal the sick. Qu'il soignerait, qu'il guérirait les malades. Raise the dead. Qu'il ressusciterait les morts. Be sold for 30 pieces qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. Judas would cast it away. Que Judas jetterait cet argent dans then le temple. Buy a potter's field. Pour que l'on achèterait le champ du potier. This Jesus is divine. Ce Jésus est divin. He's more than a good man. Il est plus qu'un homme bon. This is no fairy tale. Ce n'est pas un conte de fées. This is no children's story. Ce n'est pas une histoire pour les enfants. This is nothing make believe. Ce n'est pas pour faire croire. Here is solid evidence to base your faith upon. Voici une preuve solide sur laquelle vous pouvez appuyer votre foi. This Christ, ce Christ, is the Son of God. Est le Fils de Dieu. His offer of eternal life is real. Ce qu'il offre pour comme la vie éternelle est réel. His offer to change your life is real. L'offre qu'il vous fait est réelle. Isaiah chapter 50 verse 6. Ésaïe chapitre 50 verset 6. 600 years in advance. 600 ans auparavant. I offered my back to those that beat me. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. My cheeks to those who pulled out my beard. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Isaiah predicted he would be whipped and beaten and he was. Ésaïe a prédit qu'il serait fouetté et cela est le cas. Isaiah 50 verse 6. Ésaïe 50 verset 6. I did not hide my face from mocking and spitting. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. They would whip him and spit in his face. Et ils allaient le fouetter, ils allaient lui cracher au visage. Come with me tonight to Pilate's courtyard. Venez avec moi dans la cour de justice de Pilate aujourd'hui. Watch as Roman soldiers jam the crown of thorns on Jesus' head. Regardez de quelle manière les soldats romains vont planter cette couronne d'épines sur la tête de Jésus. Watch as they approach him. Regardez lorsqu'ils s'approchent de lui. And wicked men take the whip. Et qu'ils commencent à le fouetter. And they lash his back. Et ils sont en train de lacérer son dos. They rip his back aside. Ils sont en train d'ouvrir et de déchirer son dos. Who is this that suffers in agony? Qui est celui qui souffre dans l'agonie? Who is this with the blood flowing down his face? Qui est celui dont le sang coule sur le visage? Who is this with the crown of thorns jammed upon his head? Qui est celui avec cette couronne d'épines sur la tête? Who is this with the blood flowing down his back? Qui est celui dont le dos est plein de sang qui coule? Watch as strong-armed Roman soldiers approach him. Regardez lorsque ces soldats aux bras solides s'approchent de lui. Listen to the snap of the whip. Écoutez le fouet, le bruit du fouet. Watch as metal bits embedded in leather rip apart his back. Regardez de quelle manière ces morceaux de métal qui sont attachés dans le cuir vont déchirer son dos. Who is this that suffers so? Qui est celui qui souffre de cette manière? He is Jesus. Il est Jésus. He is the divine Son of God. Il est le divin Fils de Dieu.
He is the one who spoke and worlds came into existence. Il est celui qui a parlé et les mondes ont existé. He is the creator of the universe. Il est le créateur de l'univers. But now look into his face. Mais maintenant regardez son visage. See the blood as it runs down. Regardez le sang qui coule sur son visage. See the tears in his eyes. Regardez les larmes de ses yeux. Why does he hang upon the cross? Pourquoi est-il suspendu à la croix? Why nails through his hands? Pourquoi est-ce qu'il y a des clous dans ses mains? Why a spear in his side? Pourquoi y a-t-il une lance dans son côté? Watch his mother. Regardez sa mère. As she takes his broken, bruised, bloody body from the cross. Alors qu'elle descend ce corps complètement brisé de la croix. Who is this who dies? Qui est celui qui meurt? He is not a martyr dying for a good cause. Ce n'est pas quelqu'un qui meurt pour une juste cause. He is not a good political leader dying for something he believes in. Il n'est pas un politicien qui meurt à cause de ses. He is the divine Son of God. Il est le divin Fils de Dieu. He is the Savior of the world. Il est le Sauveur de l'humanité. He does not die for a good cause. Il ne meurt pas pour une bonne cause. He dies for sin. Il meurt pour le péché. Your sin and mine. Votre péché et mon péché. He dies to forgive you. Il meurt pour vous pardonner. Because the wages of sin are death. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Either Jesus dies or I die. Soit Jésus meurt ou je meurs. He is willing, if necessary, to die eternally. Il est prêt, si c'est nécessaire, de mourir éternellement. To forgive me. Pour me pardonner. And give me eternal life. Et me donner la vie éternelle. I cannot turn my back on a Christ like that. Je ne peux tourner le dos à un Christ comme celui-ci. I cannot walk away from the cross. Je ne peux m'éloigner de la croix. Love compels me there. L'amour me maintient au pied de la croix. The love of God. L'amour de Dieu. The blood of Christ poured out for me. Le sang du Christ qui a coulé pour moi. Compels me to kneel there. Me pousse à me mettre à genoux là. Now the Bible predicted Psalm 22 verse 16. Et la Bible a prédit dans le psaume 22 et le verset 16. 1,000 years in advance. 1,000 années à l'avance. They pierced my hands and my feet. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Follow me closely. Follow me closely. Suivez-moi avec attention. When David made this prediction, lorsque David a fait cette prédiction, crucifixion did not exist. La crucifixion n'existait pas. Crucifixion was introduced by Antiochus Epiphanes to Rome 160 years before Christ. 160 ans avant Jésus-Christ, la crucifixion a été introduite par Antiochus Épiphane. The Jewish method of capital punishment was stoning. La manière que les Juifs donnaient la peine capitale était la lapidation. When the Jews found a woman caught in adultery and she was cast at Jesus' feet, they wanted to stone her. Lorsqu'une femme adultère a été amenée aux pieds de Jésus pour la condamner à mort, ils voulaient la lapider. Mais David a prédit Jesus would not be stoned, que Jésus ne serait pas lapidé, his hands and feet would be pierced. Que ses mains et ses pieds seraient percés. He predicted that 1,000 years before the event. Il a prédit cela 1,000 ans avant que cela ne before se réalise. Crucifixion ever existed. Avant que la crucifixion n'existe sur la Jesus terre. Crucifixion was a fulfillment of prophecy. Jésus a été crucifié en réalisant la prophétie. Men and women gathered at that cross. Des hommes et des femmes viennent au pied de cette croix. And they sensed something unusual was happening. Et ils sentent que quelque chose d'anormal se produit. Jesus was crucified between two thieves. Jésus a été crucifié entre deux brigands. One mocked him. Un de ces brigands s'est moqué de lui. Said, if you are the Son of God, come down from the cross. Disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. The other thief looked. L'autre brigand a regardé. And he said, Lord, remember me. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de when moi. You come into your kingdom. Lorsque tu reviendras dans ton règne. And Jesus said, et Jésus a répondu, I say to you today, je te le dis aujourd'hui, this day I'm dying on the cross. Ce jour où je meurs sur la croix, this day with a crown of thorns upon my head. Ce jour où j'ai cette couronne d'épines sur la tête, this day with nails through my hands. Ce jour où j'ai des
clous dans mes mains. This day with nails through my feet. Ce jour où j'ai des clous dans les pieds. I say to you today. Je te le dis aujourd'hui. This day that it doesn't look like I can save anybody. Ce jour où il semble que je ne peux sauver personne. I give you today. Je te donne aujourd'hui. As a dying thief. Ma dernière parole avant de mourir. The promise. La promesse. Your sins are forgiven. Que tes péchés sont pardonnés. Eternal life is yours. Que la vie éternelle est pour toi. Jesus gave the thief the promise that day. Jésus a donné à ce brigand la promesse ce jour-là. And tonight. Et ce soir. If you have come here to this meeting. Si vous êtes venu à cette rencontre. Filled with guilt. Rempli de culpabilité. You have sinned. Vous avez péché. The devil says to you. Le diable vous dit. You can never be saved. Look what you did. Vous ne pouvez être sauvé. Regardez vos péchés. Just as Jesus gave the thief forgiveness that day, you can receive forgiveness. De la même manière que Jésus a pardonné à ce brigand ce jour-là, vous pouvez obtenir votre libération par lui. You can receive his grace tonight. Vous pouvez recevoir sa grâce aujourd'hui. You can come to that cross tonight. Vous pouvez venir à cette croix ce soir. You can accept his love tonight. Vous pouvez accepter son amour ce soir. A Roman soldier came. Un soldat romain est venu. A hard-hearted Roman soldier. Un soldat romain au cœur dur. A cruel Roman soldier. Un soldat romain cruel. The man that crucified Jesus to the cross. L'homme qui avait crucifié Jésus sur cette croix. And as Jesus hung on the cross. Et alors que Jésus était là sur la croix. And bowed his head. Et qu'il penchait la tête. Jesus said, "It is finished." Jésus dit, tout est accompli. And the Roman soldier said. Et le soldat romain a dit. Truly, this man is the Son of God. En vérité, cet homme est le Fils de Dieu. The Roman soldier was changed. Le soldat romain a été changé. And you can be changed tonight. Et vous pouvez être changé See, ce soir. See, because this Jesus is not dead. Quand voyez-vous, ce Jésus n'est pas mort. John 11, verse 25. Jean chapitre 11 et le verset 25. Jesus said, "I am the resurrection and the Jésus life." Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. He who believes in me, though he may die, he shall live. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Come with me to that cross. Venons à cette croix, au pied de cette croix. It is Friday. C'est le vendredi. Dark, dark Friday. Oh, un vendredi très sombre. Judas betrays him. Judas l'a trahi. Peter denies him. Pierre l'a renié. The Romans crucify him. Les Romains l'ont crucifié. The Jews reject him. Les Juifs l'ont rejeté. It is Friday. C'est le vendredi. The clouds cover the sky. Les nuages s'amoncellent dans le ciel. Darkness surrounds the cross. L'obscurité entoure la croix. The lightning flashes. Les éclairs se font voir. The flowers bow their heads. Les fleurs penchent leurs tiges. The birds stop singing. Les oiseaux cessent de chanter. It is Friday. C'est vendredi. Dark, dark Friday. Oh, ce vendredi particulièrement sombre. They put nails through their hands. Ils mettent des clous dans ses mains. They put a crown of thorns upon his head. Ils mettent une couronne d'épines sur sa tête. They hang him on a cross. Ils le pendent à une croix. It is Friday. C'est vendredi. Dark, dark Friday. Un vendredi particulièrement sombre. But hallelujah. Mais gloire à Dieu. Sunday is coming. Dimanche vient. And the sky is illuminated with the glory of God. Et le ciel est brillant à nouveau. An angel comes down. Un ange descend. And an angel says. Et l'ange dit. Son, thy father calleth thee. Fils, ton père t'appelle. Roman soldiers fall over as dead men. Les soldats romains tombent comme morts. The stone rolls away from the tomb. La pierre est roulée de la tombe. Jesus comes out. Jésus sort de la tombe. I am the resurrection and the life. Je suis la résurrection et la vie. The grave cannot hold him. La tombe ne peut le retenir. All the Roman soldiers cannot hold him. Tous les soldats romains ne peuvent le retenir. The tomb is open. La tombe est ouverte. Jesus' tomb is empty. La tombe de Jésus est vide. And because Jesus is alive, et parce que Jésus est vivant, he can transform your life through his spirit. Il peut transformer votre vie par son esprit. The same spirit that brought Jesus to life, le même esprit qui a ressuscité Jésus, that spirit of Christ, cet esprit de Jésus-Christ, that spirit can come. Cet esprit peut venir. Jesus is still the problem solver. Pour résoudre les problèmes qui nous s'opposent. He is alive. Il est vivant. He's still the forgiving savior. Il est celui qui peut encore pardonner. He's alive. Il est vivant. He's still the life-changing Lord. Il est celui qui peut changer nos vies.
He's alive. Il est vivant. He's still the miracle worker. Il est celui qui peut encore faire des miracles. He's alive. Il est vivant. He is the living Christ. Il est le Christ and vivant. This Christ et ce Christ can transform your life. Peut transformer votre vie. Ephesians 3, verse 16. Ephésiens chapitre 3, verset 16. That he would grant you afin qu'il vous donne according to the riches of his glory selon la richesse de sa gloire to be strengthened with might through his spirit in the inner man. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. He is alive. Il est vivant. And he can send his spirit. Et c'est le même esprit into your life que vous pouvez avoir dans votre to vie. To give you freedom. Pour vous donner la liberté. To give you peace. Pour vous donner la paix. To give you joy. Pour vous donner la joie. To give you forgiveness of sin. Pour vous donner le pardon de vos péchés. Romans 8, verse 37. Romains chapitre 8, verset 37. Yet in all these things. Mais dans toutes ces choses. In what things? Dans quelles choses? All these things. Dans toutes ces choses. In sickness. Dans la maladie. In health. Dans la santé. In joy. Dans la joie. In sorrow. Dans la tristesse. In poverty. Dans la pauvreté. In riches. Dans la richesse. In discouragement. Dans le découragement. In jubilation. Dans la jubilation. In all these things. En toutes ces choses. We are more than conquerors. Nous sommes plus que vainqueurs. Through Christ who loved us. Le Christ qui nous a aimés. Because he is more than a good man. Parce qu'il est vivant. And more than an ethical philosopher. Et plus qu'un philosophe. And more than a religious teacher. Et plus qu'un théologien. He is our Savior. Il est notre sauveur. There is a Savior. Il y a un sauveur. There is a Savior. Il y a un sauveur. A Savior with his arms wide open tonight. Un sauveur avec les bras grands ouverts ce soir. A Savior who says to you tonight. Un sauveur qui vous dit ce soir. Come unto me. Venez à moi. All you that are burdened, vous tous qui êtes fatigués, all you that are heavy laden, vous tous qui êtes chargés, and I will give you rest. Et je vous donnerai du repos. Jesus, Jésus, still forgives sin, continue de pardonner les péchés. Jesus, Jésus, still takes away guilt, peut encore enlever votre culpabilité. Jesus, Jésus. Still frees us from habits that enslave us. Continue de nous libérer des habitudes qui nous emprisonnent. Jesus, Jésus, still gives us hope. Continue de nous donner l'espérance. He still gives our hearts encouragement. Il continue d'encourager nos cœurs. There is a Savior that lives. Il y a un sauveur vivant. There's a Savior. Il y a un sauveur. That wants to come into your life tonight. Qui veut entrer dans votre vie ce soir. Is there some burden that is plaguing you tonight? Y a-t-il ce soir un fardeau qui vous pèse sur les épaules? Something you really need to lay down. Quelque chose que vous voulez déposer. Something you really need to give to Jesus. Quelque chose que vous voulez remettre à Jésus. Some sin that's troubling you tonight. Quelque chose, quelque péché qui soit en train de vous troubler some ce soir. Habit that's gripping you tonight. Une habitude qui vous emprisonne ce Do you soir. Really need Jesus tonight? Est-ce que ce soir vous voulez Do you need vraiment his forgiveness? Est-ce que vous avez besoin de son pardon? Do you need his mercy? Est-ce que vous avez besoin de sa miséricorde? Do you need his grace? Est-ce que vous avez besoin de sa grâce? Tonight, Christine is going to come and sing. Ce soir, Christine va venir There et va chanter. There is a Savior. Il y a un sauveur. And if tonight, et si ce soir, there is some burden in your life, il y a un fardeau dans votre vie, I'm going to invite you to come. Je voudrais vous inviter to à the venir front. Ici devant. And talk to Jesus. Et parler à Jésus. Forget about this audience. Oubliez les gens autour de vous. Forget about anybody else here. Oubliez ceux qui vous entourent. If you have a great burden tonight, s'il y a un fardeau qui pèse sur vos épaules, just ce soir, get up out of your seat. Sortez de votre siège. And you come. Et venez. To pray. Venez prier. I'll come to greet you. Et je viendrai. If there's some sin that you need to have forgiven, s'il y a des péchés que vous désirez, dont vous désirez obtenir le pardon, venez simplement ce soir. If you've never accepted Jesus, si vous n'avez jamais accepté Jésus, and you see tonight he's divine, et que ce soir vous le découvrez, ce Jésus divin, you come. Venez. If tonight you accepted him but you drifted away, you si come. Si ce soir vous l'aviez accepté, vous vous êtes éloigné de lui, venez. I do not know why you will come. Je ne sais pour quelle raison vous allez venir That's là. Between you and Jesus. C'est entre Jésus but et if vous. You need Jesus tonight, mais si vous avez besoin de Jésus ce and soir, you want to leave here,
et que vous voulez quitter ce lieu, a different man or a different woman, un homme changé ou une femme changée, if there's some burden you want to lay down, s'il y a un fardeau dont vous voulez vous débarrasser, some sin you want forgiven, un péché que vous voulez voir pardonné, as Christine sings, alors que Christine va chanter, you just come. Venez simplement and bow your head and pray, et inclinez votre tête, and say, Jesus, there's a Savior, et dites, Seigneur Jésus, I want him tonight. J'ai besoin de toi. I'll come and greet you. Et je vais venir if vous you're accueillir. In the stands or the balcony, you come. Si vous êtes autour dans les estrades, you're sitting venez. Here, you come. Si vous êtes assis ici devant, and venez. I'll meet you. Et je vais venir vous rejoindre. A Savior.